Dans cette première cassette, nous allons vous présenter les techniques de base du bâton de défense. Donc, en utilisant le tonfa comme bouclier de défense, en l'utilisant pour riposter et maintenir à distance un individu menaçant. Ainsi, nous allons vous montrer aussi les techniques de neutralisation d'individus avec ce bâton de défense. Alors, le nom tonfa nous vient des arts martiaux traditionnels asiatiques. Des professionnels de la sécurité l'ont adopté à leur travail et lui donnent le nom de bâton de défense à poignée latérale. La plupart des forces de l'ordre du monde entier l'ont adopté de par son efficacité dans le domaine préventif et surtout sur le domaine défensif. Le bâton de défense à poignée latérale est en matériau composite. La plupart du temps, il est en polycarbonate. Ce type de modèle est bimatière, ce qui permet d'absorber l'onde de choc. Ce bâton de défense à poignée latérale est composé de deux parties, le corps du tonfa et la poignée. Nous trouvons sur la poignée la tête de poignée ou le pommeau. Le corps lui est composé du grand côté et du petit côté. La surface à l'extrémité du grand côté s'appelle la pointe. La surface à l'extrémité du petit côté s'appelle le talon. Cette partie-ci du tonfa s'appelle la coupe ou le tranchant du tonfa, du bâton de défense à poignée latérale. La prise en main du tonfa se fait par une légère pronation du poignet qui permet de solidariser le corps du tonfa avec l'avant-bras. Jamais se présenter face à un individu les deux pieds sur la même ligne, parce que là il y a danger sur toute la ligne de vie. Donc, toujours attitude de sécurité, corps 3/4 de face. Distance de sécurité, à peu près une jambe. Sortie de tonfa dissuasive, port côté gauche. Sortie de tonfa discrète. Sortie de tonfa discrète, port côté droit. Les gardes, garde passive. Garde passive, dissuasive. Garde passive, discrète. Donc, garde active, petit côté devant. Active, grand côté devant. Active, deux mains. Active, inversé, petit côté devant. Active, inversé, pointe devant. Active, inversé, à deux mains. Active, inversé. C'est la garde qu'on va préconiser face à une arme blanche, avec le renfort de la main gauche, ici. Nous allons voir l'utilisation du tonfa pour les ripostes. Donc, tout ce qui sera frappe avec le tonfa, on interdit tout ce qui est frappe au niveau de la tête, du cou et des parties. Ce sont des zones rouges qu'on bannit complètement à l'entraînement pour éviter d'automatiser les mauvais réflexes. On favorisera l'intervention des frappes sur le tronc, sur les membres supérieurs et inférieurs.
qui seront placés en zone verte, épaules et fesses compris dans les zones vertes, avec monde supérieur et inférieur, le tronc étant placé en zone orange, frappe modérée. Nous allons voir la frappe avec le talon. Frappe grand côté devant. Attaque talon, avec gainage du corps du tonfa avec la main faible, pour éviter que le tonfa parte sur les côtés, et pour éviter des fractures du poignet. Attaque pointe. Frappe au niveau de l'épaule. Nous allons voir maintenant la frappe au niveau du coude. Frappe au niveau de l'avant-bras, basse poignée. Frappe au niveau de la cuisse. Frappe au niveau du tibia, bas genou. Frappe au niveau de l'épaule. Frappe au niveau du coude.
frappe au niveau de l'avant-bras. Frappe au niveau de la cuisse. Frappe au niveau du tibia, base genou. Maintien à distance face à une arme blanche. Hey. Hey. Yeah. Okay. Très riposte, tonfa grand côté, face à une attaque au couteau.
attaque de haut en bas. Attaque revers haut, qui pourrait arriver au niveau de mon épaule ou de mon cou. Attaque revers médian, qui pourrait arriver au niveau de mon coude. Attaque revers bas, au niveau de ma hanche ou de ma cuisse. Attaque remontante, attaque partie. Attaque circulaire bas, au niveau de mon côté gauche, sur ma cuisse gauche. Attaque circulaire médian au niveau de mon coude. En fonction de la morphologie des gens, le pratiquant choisira sa technique. Sortie d'axe à droite. Attaque piqué gorge. Sur une attaque venant de haut en bas. Attaque revers haut. Attaque revers médian. Attaque revers bas en tangente. Attaque remontante de bas en haut, niveau parti. Attaque circulaire basse. Attaque circulaire médian. Au niveau de mon coude.
Attaque circulaire haute. Attaque piqué ventre. Attaque piqué gorge tête. Blocage sur attaque au couteau. Piqué. Attaque piquée au corps. Blocage sur attaque au couteau, tonfa petit côté. Oui.
Ah. Hey.
3 secondes. Non. Tire ! Sur la tête. Hey. Avant devant, grand côté devant. Déplace-toi.
Défense sur tentative de saisie. Petit côté. Défense sur tentative de saisie grand côté. Maintien distance. Défense sur saisie main faible. Tes jambes. Contrôle. Hey! Prends la tête.
bras dessus, bras dessous. Pas sur la tête. Que de coups dans l'extension. Mets sur tête. Enroulement de bras, tente par grand côté, bras gauche. Monsieur, main sur la tête. Main sur la tête. Enroulement de bras, tonne fa petit côté. Oui, je suis sur la tête. Clé de coude en extension, contrôle gorge et poignet. Main sur la tête. Enroulement de bras, tente fa grand côté, bras droit. Bras dessus, bras dessous en crochetage. Main sur la tête. Oui. Double clé d'épaule. Allez, on bouge pas.
facile.